Eh bien, salut à tous mes petits pros du gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de l'épisode d'avant. Bonne vidéo. Et oui, c'est bien moi, on se retrouve en voix off, les amis. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup, trop de bruit à côté, donc j'ai décidé de vous faire une petite voix off. Alors écoutez, pourquoi pas. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc en gros, là, on est en train de faire fondre, vous savez, la clé, en gros, le ticket qu'ils nous ont donné pour pouvoir rentrer dans la cérémonie du Nouvel An, vous savez, voilà, traditionnelle finlandaise. Donc, en étain, donc si vous savez pas ce que c'est l'étain, je vous explique tout ça. Donc l'étain, c'est un métal métallique, enfin, c'est quoi, je dis ça d'ailleurs, qui fond très bien, en fait. D'ailleurs, on s'en sert pour faire des soudures et tout ça. Et en fait, du coup, dès que l'étain va fondre, en gros, il va falloir directement le plonger dans l'eau. Et donc, du coup, ce qui fait que... du coup, on va avoir un liquide en gros. Et selon ce liquide, vous allez directement le plonger dans le seau d'eau. Et du coup, ce qui fait que quand vous allez le ressortir, vous verrez que ça va vous donner une forme. Donc en gros, là, ça y est, je le plonge dans l'eau. Vous voyez, et la dame va le ressortir, et mon objet sera en forme de crâne en fait. En gros, ça va ressembler à un crâne. Et ensuite, avec ce morceau d'étain, cette forme qui a été créée par l'eau, en gros, enfin par le métal fondu qu'on a mis dans l'eau, et on va aller voir, vous savez, le sort de sorcier, là, le chaman, je vais vous montrer le directement après. Et avec cette forme, il va pouvoir lire notre avenir. Voilà, vous pouvez voir un petit peu la forme. Bonne année à tous, bonne année 2017. Alors ça y est, donc là on est dans un chalet, j'ai enlevé le bonnet parce que voilà, à l'intérieur c'est pas très poli. Alors bonne année à tous bien sûr, meilleurs voeux, bonne santé. En fait, je vous avais filmé le feu d'artifice de l'année 2017 et comme un boulet, j'ai supprimé la vidéo. Je suis vraiment désolé. En tout cas, je vous souhaite une excellente année. J'espère que cette vidéo t'aura plu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisser un like, laisser un dislike si tu n'as pas aimé la vidéo, laisser un like si tu as aimé la vidéo, et à la prochaine.